bonne nouvelle pour les agriculteurs justement de palmiers à l'huile. Alors, l'organisme PCCET, donc du projet des chaînes des valeurs compétitives pour l'emploi et la transformation économique, à travers les partenariats NEPAR Venture et Programme Palmiers Ivoire PPI, qui vont lancer la cérémonie donc, qui se déroulera du côté de Yamoussoukro donc le 20 juin de ce mois. Pour toutes les personnes qui souhaitent y participer, vous pourrez vous rendre soit directement pour les informations du portail du gouvernement et vous aurez toutes les informations complémentaires. Alors, ce programme consiste à quoi? Ce programme justement du PPI, donc qui est le programme du palmier ivoire. Alors, c'est 1500 jeunes, donc du secteur, donc des exploitants des secteurs agricoles, qui vont faire part justement de leur savoir-faire durant leur formation qu'ils ont pu exercer en Malaisie, donc qui est cette formation a duré 18 mois, et qui vont faire part de leur savoir-faire lors de la cérémonie. Alors, vous savez déjà que l'État de Côte d'Ivoire a décidé que non seulement la Côte d'Ivoire ne soit pas que seulement un grand producteur agricole, mais soit aussi mettre les moyens aussi dans le domaine de la transformation et du savoir-faire. Et donc, forcément, quand on parle de savoir-faire, c'est également la formation justement des jeunes dans le secteur justement de l'agricole, de l'agriculture. Et il est important justement que les personnes justement qui sont dans ce secteur et qui sont intéressées, vous pourrez vous rendre directement. La cérémonie d'ouverture sera du côté de Yamoussoukro, justement où ces exploitants, ces 1500 exploitants feront part justement de leur expérience durant leur formation qu'ils ont pu écouler en Malaisie. Voilà. Petite pause publicitaire. Comment nous ne pourrons pas parler justement du secteur de l'agriculteur et également de la société Koukara Company, qui justement est une société multiservice et qui compose plusieurs activités dans le secteur du transport, de l'agriculture, de l'immobilier, du commerce, du secteur minier, pour ne citer que cela, au-delà de tous ces secteurs porteurs économiques de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est avant tout des conseils que nous apportons justement aux débutants, mais aussi aux seniors dans leurs activités et pour les personnes qui souhaitent